Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 22 ans et je suis étudiant en apprentissage en licence professionnelle, sécurité des biens et des personnes, parcours management de la sécurité et gestion des risques. Je suis issu d'un DUT hygiène, sécurité, environnement en apprentissage également. Il me manquait la partie un peu plus aspect sécurité civile et c'est pour ça que je suis venu en licence pro sécurité des biens et des personnes. L'alternance, je trouve ça très bien parce qu'au moins on peut assimiler des choses théoriques et les mettre en pratique au sein d'une entreprise ou d'une structure et c'est très enrichissant professionnellement et scolairement aussi, je trouve. On a beaucoup d'intervenants extérieurs et moi je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont une expérience terrain, ils ont du vécu et en plus de nous faire des cours qu'on pourrait dire magistraux, ils se rapprochent avec des cas concrets de la réalité donc pour moi c'est plus simple à apprendre et à comprendre. Aujourd'hui, pour moi, un employeur veut de plus en plus de diplômés, mais également d'expérience. Donc là, on a et le diplôme et l'expérience. Donc je pense que c'est une vraie plus-value sur un CV aujourd'hui. Personnellement, ça m'a permis de venir faire mes études ici, parce que j'aurais pas eu de salaire, j'aurais pas pu venir. Mais après, c'est vrai que c'est un réel atout, parce qu'au moins, ça permet de faire des choses aussi à l'extérieur, ça permet de vivre un peu comme un adulte, et ça permet de mûrir aussi rapidement. Moi, je suis dans une grosse structure, donc Bordeaux Métropole, qui est une collectivité territoriale. Donc il y a pas mal d'agents. Moi, je suis au sein de la direction de la prévention, hein, avec les experts du pool sécurité civile. Donc moi, mes missions depuis septembre, c'est notamment participer à la gestion de crise activement. Par exemple, à Bordeaux, on a mis en place ce qu'on appelle un Covid mobile pour aller au plus près de la population pour faire du dépistage. Je participe pleinement à la vie du service dans lequel je suis intégré. Dans mon objectif de carrière qui est d'ensuite passer des concours pour entrer sapeur-pompier professionnel. C'est un peu la formation idéale. Et en plus, on voit tout cet aspect sécurité civile, des notions qui sont utiles dans la préparation concours pour la suite dans la carrière d'un officier de sapeur-pompier notamment.